police. Je vais vous apprendre, mouais. Alors, est-ce que tu es prêt à deviner Bip Bip? Bip Bip, oui. Dans le film Bop Bop. Bip Bip est avant tout une sorte de scientifique qui aime fabriquer des êtres vivants dans son laboratoire d'Halloweenville. Sa création préférée est Machin, une poupée qu'il a confectionnée de toutes pièces et qu'il considère comme son esclave. Malheureusement pour lui, Machin préfère aller... Pardon ? Ah oui, ouais, mais c'est le... C'est le scientifique qui les branches sont plantes, je crois, dans le Noël de Monsieur Jack. Exactement, c'est dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est bien scientifique. Il est bien en chaise roulante. Il s'appelle le docteur. Référence à un docteur connu, hein. Muller ? Non, un docteur connu du monde de l'horreur. Vas-y, quoi. Docteur Finkelstein. Finkelstein, ah d'accord. Docteur Muller, c'est dans Tintin, je crois. Ah, peut-être bien. Docteur Muller. Tu fais des petites seringues de potions de vérité. Ah, des 4 pépères, il nous manque. 4 pépères, mec. Oh, t'imagines peut-être que on sera dans la game. On va faire le quatrième. On va se dire, on a juste à sortir en fait. On n'a plus rien à buter ici. Mec, si on fait les si on fait les 4 momos, je veux qu'on fasse tous les boss de la map. On fait un doublé, ce sera notre dernière game. Ce sera briller, tomber. Et ils tombèrent. Sûrement. Très probablement. T'es poursuivi par un couteau. Est-ce que je suis bon? Je suis bon des shérifs. Merci, John. Tu auras ta promotion, ah, John. Des chiens là-bas. Il y a donc des gens à l'abri. Ah. Intéressant. Sa viande. Peut-être pas le faire péter. On est là pour les momos et le grand chelem. Ça. Prison, on regarde juste vite fait autour, hein, vu qu'il n'y a pas d'indice dedans. Si on veut le grand chelem en même temps que les momos. C'est le deuxième objectif. Hein, c'est d'abord on finit les momos et après si on peut on fait un grand chelem. Oui monsieur. Pas sûr qu'on ait le temps pour. Tu es la voix de la raison, comme toujours. Je sais pas si on aura le temps de faire une autre game après. Ta parole est sacrée. Dre, Dre. Le sacré. Golden voice. C'est-à-dire qu'on voit des momos par contre. On a eu 1 là, c'est ça ? Non, 0 ? On a eu 0 pour le moment. Ouais. T'imagines, on part, il en reste 1. Merde ! On a eu 0 et j'en vois peu là. Bah ouais. Wow, joueur ! Ah, je suis mort. Au Nagant.
Et sur le côté aussi. Fuck. Bon, bah, notre game final, on a prié. Super. Bon, c'est Jinx, ça a parlé grand chelem et de machin, ouais. Là. Elle est malin, et puis on se fait défoncer. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, je crois qu'il en reste 4 encore. Le compte est bon. Les losers. Mince. Oh là là. Bon, après, vu comment on n'est pas tombé sur des... Sur des momos. Au moins, on se fait un petit reset, là. Petit reset. Va, hein. Comme ça, peut-être qu'on en aura direct 4 alignés quand on va commencer. En train de faire YMCA. Oh, un légendaire, j'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ils sont battus. Je me remets beau. Eh oui. J'ai quand même touché, elle a juste eu le premier coup. Tellement fort. Je m'entraîne au couteau de lancer. Oh là là. Mec, peut-être la dernière game. Bon, il est temps que je m'entraîne à ce truc. Oh bah, je m'amuse beaucoup avec le couteau de lancer. C'est, c'est une relation très conflictuelle. J'aime beaucoup le concept, mais je suis très nul. Parce que c'est comme avant, on disait ouais, je joue pas aux jeux vidéo parce que je suis mauvais au couteau de lancer parce que je ne m'entraîne pas. Oh, j'ai les briller. Trop bien. T'es juste trop fort, mec. C'est incroyable. J'ai gagné le jeu. J'ai gagné le jeu. J'ai gagné le jeu vidéo. C'est bon. À tous les simulateurs. On a juste fini. Voilà. On va faire un quadruple. Mm-hmm. Les trois boss, c'est que tu tues tous les joueurs avec le couteau. Ah bah, main nue, avec la trousse de soin. Je vais te faire deviner des jeux vidéo. Mais pas en parlant des dates de sortie, des boîtes qui les ont fait, et ainsi de suite. Tu vas les mimer. Exactement. juste te dire, je vais te les pitcher, quoi, globalement. Un petit pitch qui va à l'essentiel. Et okay. Puis on va voir si ça passe, quoi. Si ça te dit quelque chose. Allons-y. Tu joues un gamin... fait les pires tours, ça va jusqu'à la mort des gens à qui tu fais tes farces diaboliques. Ah ouais. C'est le pitch du jeu. C'est ça le pitch du jeu. Oui. Tu joues un gamin, tu fais des farces aux gens, ça peut les tuer. Même. Voilà, ou même je pense que tu pars directement dans l'intention de les buter, hein, de toute façon. Ah oui. Et de faire en sorte que tu ne portes pas le chapeau derrière. Ah oui! Oui. En mode, soit c'est un accident, soit c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Est-ce que ça te dit quelque chose? Il y en a eu plusieurs. C'est pas le jeu où tu joues. C'est pas Party Time ou un truc comme ça? Le jeu où il y a les voisins qui font la fête et tu les butes? Alors non, ce n'est pas ça. C'est Lucius! Oh là là! Je joue le fils du démon, hein, globalement. Bah, j'imagine. Et l'autre, celui dont tu parles, je crois que c'est Party Hard. Party Hard, ouais. Il y en a également plusieurs. Ouais. Lucius, mais c'est rigolo. Et oui! Pas les corbeaux ? Ouais. Ok. Je suis fort. Avec moi ou pas ? Je suis un petit peu loin, mais j'arrive. Je ne vois pas grand-chose briller dans la nuit. Ah, cheval. Ah, c'est toi. Je suis là. C'est bien que les momos soient là aussi.
J'ai peur que ces explosions soient des momos qui explosent. Des explosions? Oh, on a entendu des explosions à l'instant. Ah, c'est possible, oui. Ah oui, ça ferait sens. Regardez là, la sortie. Ah, oh, tu veux qu'on passe Non, non, je regardais sur la sortie ouest s'il y avait des momos, mais il n'y en a pas. Ah, merde. Terrible. Point de momo. Ça te fait 4 derniers les plus durs à trouver, quoi. Ah oui. Et il en reste plus que 4. Dans le jeu. On a épuisé le stock. Heureusement pour nous que personne n'avait fait le bestiaire avant. Il y a la lumière, mais c'est une torche. Hein? Ah là là! Eh oui, hein! Que des torches là! Rien ne va! C'est fou les momos! Au milieu de la map là en plus! Ah là-bas! Ah! Ouais, qui fournit un peu de plaisir quand même. Est-ce qu'il y en a un dans ce camp ici? Je check le camp d'à côté. Hein. Vas-y, vas-y. C'est joli. Plus que 3. J'ai rien trouvé dans le camp. Quand là-bas, il n'y en avait pas un. Eh, c'est un momo. Ah, super. Ça y est, t'es sur une piste. J'arrive. Triangulation du momo. Bip 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 bip. Nice. Plus que 2. Et salut! Ah, il y a des corbeaux derrière nous. Oh là là, ces couteaux de lancer! Phénoménal! Tu me vends du rêve. Tu vois les deux momos à trouver encore. Entendu quelque chose? Ah, tu t'es fait toucher? Bah, par la ruche là. Ah, d'accord. Je n'avais point compris. Mes excuses. Je suis désolé. Yes! Oh, oh oui! Oh mais t'es trop fort! C'est ça le vrai chasseur! Y'a le bon chasseur et le mauvais chasseur! Et toi t'es le bon chasseur! Et viens là, Momo! Viens là! Viens là, accepte ton destin, Momo! Et plus qu'un! Yes! Oh
Tu veux lui donner un petit nom en tant que dernier Momo de son espace? C'est Maurice. Maurice, c'est le vrai. Celui qui a engendré tous les Momos. Je referme la porte derrière pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Maurice! Adieu, Maurice! Adieu! Il est mort. Oh là là, on se souvient du moment où on a lu ce qu'il fallait faire pour les Momos en mode « Oh non, pas la tête ». Et tu l'as fait, mec! On les a fait à deux! Oh là là! Maurice, le roi Momo! J'attends maintenant une araignée et un spectre! Parce que j'ai pas lâché l'idée! C'est parti! Dans la lumière! La lumière! C'est parti! Les pieds devant ou les mains pleines? Après, je commence. Rien ne nous arrêtera. Sont-nous ces personnages? Nous sommes les maîtres du bestiaire. Voire même des bouquins en général, parce qu'on fait les armes aussi. On est les maîtres bibliothécaires. Ah. C'est la garnison. Le bibliothécaire. Bon, j'avoue. Donc, c'est sud. Oh là là, mec, mec! On va tellement lire! Je vous signifiera. Oh, mais tu fais bien, prends ton petit plaid et tout, mets-toi bien. Et puis. Les récits du coup, aujourd'hui le bayou de l'horreur. Totalement. Hein. Bon, une ou deux sessions. Le nombre de trucs. Oh, une session, ça suffira, je pense. Et puis après, vous saurez tout sur le bestiaire. Oui. Contenu exclusif. C'est le bestiaire intégral. Intégral. Bestiaire et maîtrise d'armes. Tout à fait. À la date d'aujourd'hui, du coup, ce sera date fin 2020. Tout à fait. Je vais évoluer encore, c'est prévu. Mais nous, on sera sur d'autres horizons à ce moment-là. Et oui, les aventuriers que nous sommes. À voyager sans arrêt. Waouh. C'est ça. Il a tourné la tête en mode non. Je suis vaincu. C'est pas un Momo là-dedans. Alors c'est blanc. Yes. C'est blanc et c'est le spectre apparemment. Parce que moi j'ai plus du tout le réflexe de checker la couleur et tout. Non, j'avoue. Ah, mais toutes les portes sont barricadées ici. Ah, ici. Mais non, mais on va sur le point, on est con. Oui, bah oui, bah écoute, oui. Il commence le spectre. Il est où le point? Le boss, pardon. Le point, c'est là où t'es, du coup. Voilà, c'est pas là. Voilà. Ah, c'est souvent dans la maison, là en haut. Ce cri, je veux dire. Oui, bien sûr. Je vois, tu es ici, Carapace. J'ai cru qu'il y avait un joueur, quand même. Ah, par contre, j'aurais peut-être pas assez de javelot pour les deux boss. Hein. Ah. Ah, je crois que le boss est avec toi. Oui. J'ai comme l'impression. Ah oui, non, et puis on a pas de mine aussi. Ouais. Ça va être hard mode. Tiens, hard mode. Il y a des moments où j'ai un rire de. Il est là! T'es sauvé, mec. Bam. Hard mode. Et des moments, j'ai un rire de méchant de dessin animé, mais le méchant nul, tu vois. Pas le méchant charismatique, juste la hyène à côté. Il y a un Momo dehors. On a déjà fait les Momo. C'est plutôt Momo. Putain, Momo. Bon, bah allons-y. Qui a besoin de pièges dans ce jeu vidéo, de toute façon? Ah, mon... Piège. Comme si on en avait utilisé dès le début. Alors qu'il suffit d'être à côté de cette fenêtre pour profiter de la vie. Bien sûr. Alors du coup on aura à l'est après. On ira faire... Ah non, l'araignée! C'est quoi, on les chasse? Allez, on n'arrivera pas à attendre et dans les 20% qui restent, arriver à la porcherie ici. Mais non, on va pas à la porcherie, on va aller au sud-est. Ah oui, bien vu. Et si on voit sur la map qu'eux ils vont vers l'ouest... Là on les nique.
Ça va être chaud, mec, hein, en 20%, mais c'est faisable, je pense, avec, en faisant l'oblique direct, là, entre moulin et fort, et ensuite entre prison et scierie. Ça peut le faire. Je sais pas du tout si c'est possible, mais j'y crois. Super chaud, puis on sera pris en sandwich, ça va être la merde, mec. On s'en bat les couilles. Mais c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande, parce que nous, notre seul enjeu maintenant, c'est de lire. Fait. On a gagné, là, déjà. Et ça, ils le savent pas. On a gagné. On a pris nos personnages préférés. Qu'on voulait partir en brillant. Voilà, ils le savent pas, ça. Okay. Je sais pas si t'as vu cet homme qui balance des I want the election sur Twitter. Twitter, si je dis pas de Twitter, si je dis pas de conneries d'ailleurs, je suis pas sûr ce que j'avance, hein, donc vérifiez. Mais il me semble que Twitter a dit que. Dès que le statut de président de Trump saute, ils vont rechecker ses tweets et il y aura peut-être son compte Twitter qui va sauter. Ah oui. Pour fausse information et tout ça, quoi. Pour ne pas avoir fait une bonne utilisation de Twitter. Elle est protégée par son statut présidentiel, apparemment. Bref, nous on a gagné. Oh la vache! J'ai mis une balle comme c'est une femme. Mais c'était Maurice! Maurice Junior! Maurice, oui, c'est fini, il revient, bah Maurice, non! Les amis, j'ai une sixième maîtrise en fait! Oh, il fait tellement de lumière à travers le mur! Oh fuck, mais du coup, il fait un peu partout. Maurice! Arrête! On a dit stop! Oh là! Il fait chier maintenant. Ah mais Maurice, mais ça c'est parce que tu l'as énervé aussi. Moi je suis de ton côté hein, mais là, pff, il est colère. Maurice colère. On aurait pu faire ça. Nouvelle maîtrise, il faut faire 500 immolateurs. Oh mec. D'un tir dans le doigt de pied droit. Sur les 500, on les a fait. Alors ok, donc on a dit est, sud-est. Vas-y, ouais. Check un coup. Y'a rien, allez on part à l'est. Allez, go. Est. Pas de temps à perdre. Pas de piège enlevé en plus, profitons-en. Bordel, l'est. Est slash sud-est, hein. Est, sud-est. Que un truc genre 120, quoi. Ou 105 plutôt. Ouais. 150. Non, 120. Non. Bon, allez, 120. 120, c'est bon. Je suis un connard, j'ai appuyé sur E pendant que je voulais appuyer sur une autre touche. J'ai utilisé une seconde. Je suis triste. Qu'ils ont ramassé la prime. Le mec est tout seul. Hein ? Le mec est peut-être tout seul. Ce serait incroyable. Au nord. Bon, tant qu'on peut passer à côté, on fait. À côté. Ouais, ça tire au nord, on s'en fout, nous. On fait l'oblique. Ah oui. Oblique via plutôt 90. Ok, pour moi il est toujours sur le lieu. J'espère que la map va pas nous mentir, tu sais, ça l'avait fait une fois. Oui. Où l'éclair s'est téléporté d'un coup là. On reste à mi-distance, tu vois, il y a une sortie. En fait, on va essayer d'aller au milieu de la map et après on va virer vers lui. Ouais. Comme ça, on sera vraiment au plus proche de chaque. Ok, ils sont deux. Milieu un peu bas potentiellement s'ils ont suffisamment descendu. Ça va dépendre de comment ils bougent aussi quoi. Ok, ils sont toujours sur le même lieu pour le moment. Bah, on a suffisamment d'avance là, on est bien. Ça va ta vie? Ouais. Je fais un check. Je vois rien autour de nous. Et au full nord-est maintenant. On va les chercher. Ils auront peut-être plus de secondes que nous. Mais nous on court vite. Je pensais ne pas faire de check jusqu'à ce qu'on arrive sur le lieu de chez eux. Il y a un Momo à droite. Bien sûr, comme d'habitude.
C'est quand on s'en fout qu'ils arrivent, quoi. Ok, on a encore la paroi solide. Ils savent qu'on arrive, ils savent par où on arrive. Ah, ça. Heureusement qu'on n'est pas habitué à jouer sur la discrétion, hein. Pour info, j'ai 200 règles de soins et une grenade KO. Un pack, gros paquet explosif. Ah putain, j'ai plus de. J'ai une boule endurance. Ah, j'ai plus de 100 règles d'endurance, donc on va pouvoir te la filer. Ah, il y en a un juste devant nous, apparemment. Au niveau des éclairs. J'ai vu du orange là-bas. Là-bas ? Ouais. Je sais pas si c'est eux ou pas. En tout cas, sur la map, il y a un éclair qui a bougé. Ah oui, c'est pas eux, mais c'est des joueurs. Ouais. Ah oui, je suis con, les autres éclairs qui étaient sur notre position, c'est nous. Vas-y, ah. je te laisse prendre l'aggro. On va jouer sur eux. Vas-y, je suis sur eux. Tire dessus. Ouf. Je me suis mis entre les deux comme un connard. Malu. Oh, j'en ai doublé un, quoi. Double. Bravo. Recharge, putain. Okay, y a d'autres mecs derrière. C'est peut-être notre. Ouais, c'est ça. Merde! C'était bien battu, mec. C'était chiant. Ah oui, elle en fait, de sa vue, elle me voyait que de l'herbe. Elle m'a tiré au hasard. C'était bien battu. Oh, mec, j'ai couru, mais je voyais rien du tout. Ouais, c'était pas la meilleure puissance. machin, là. Ils sont venus juste derrière, en plus. Au moins, c'est stocké l'aggro, j'y vais, quoi. Et j'en ai doublé un, je crois. Bah ouais. Je crois que j'ai oublié. Parce que, en fait, moi, j'étais obligé de me cacher parce qu'il me tirait dessus. Il me touchait en plus et j'avais presque plus de vie, j'ai dû me soigner et c'est là que c'est quand j'ai commencé à me soigner que t'es parti en fait, donc bah ouais, j'ai perdu la cour rapidement. Ils ont continué à tirer un minimum dessus, hein. Ah ouais. Je pense que si j'avais vu le premier, je pense que j'étais pas mal. Aïe. Parce que bah, comme dit, le premier qui m'a tiré dessus c'était derrière moi, donc je l'avais doublé d'une manière ou d'une autre, quoi. Momo. Ah. Bam! Allez! Incroyable.
Excellent. Et ben on retiendra sur tout ça. Le skin du livre dans le menu quand tu finis. Oui, ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Pour les 0,01% de joueurs qui ont fait ça. Bah ouais, c'est cool. Pour nous, quoi. En vrai, moi j'aimerais bien aimer. Genre même un petit, une petite médaille dessus ou un truc comme ça, tu sais. Un plus que tu peux pas enlever. Et t'es en mode, mais enfin, mais je comprends pas. Oh non. Très bon. Nice. Nice. Et ben on va s'arrêter là pour cette session qui est à l'heure actuelle en tout cas la dernière session de gameplay prévue de Hunt. Vous aurez par la suite, on imagine une session, peut-être deux, ça va dépendre de notre rythme de lecture, sur du coup la lecture de ces fameux bouquins de la bibliothèque, en dehors du premier bien sûr parce que le premier, le manuel, bon voilà, on connaît, mais une lecture du coup du bouquin des monstres et une lecture du bouquin des armes en compagnie de l'ami Dridri, bien sûr. Ce sera signalé sur la chaîne sous la forme de session bonus, au lieu d'avoir la numérotation habituelle, histoire que vous puissiez vous y retrouver un minimum et que vous sachiez à quoi vous attendre quand vous allez cliquer dessus. D'ici là, portez-vous au mieux, des bisous, bye.